Retour sur le plateau de la feuille de match. Bien évidemment, on l'a dit en préambule, hein, on a une belle grille à trouver ce soir. On va dire ça comme ça. C'est la grille numéro 12 du Parion Sport Lotofoot 15. Il y a 500 000 euros à gagner. Installez-vous confortablement. On va y aller, on va vous les faire gagner. Vous allez voir avec nos deux spécialistes, Nathan et Snorri, qui sont avec moi ce soir. C'est parti, les amis, pour le match numéro 1 entre Monaco et Strasbourg. Depuis le 9 mars 2018, eh bien, Strasbourg n'a plus perdu face à Monaco. Mais il y a toujours un mais. L'AS Monaco va beaucoup mieux, Nathan. C'est qu'à le dire, l'effet Moreno est garanti. Beaucoup plus de circulation de jeu. Des joueurs remobilisés tels que Baldé, qui fait une très bonne prestation. Fabregas. Qui est dans son domaine. Une équipe de Strasbourg qui est énorme et on a mal à voyager. Et je vois une domination nette de Monaco face à Strasbourg, donc 1. Ouais, moi aussi, je vois une victoire monégasque. Baldé qui a suppléé Slimani, alors que le duo d'attaque à l'époque de Jardim, c'était Slimani-Ben Yedder. Ouais. Et là, c'est carrément Baldé. C'est l'arbre qui cachait la forêt, c'était le duo. Ouais. Maintenant, il y a une cohésion collective. Parce qu'en plus, Slimani, je crois qu'il est prêté, mais il n'avait pas d'option d'achat. Ouais. Donc le problème, il est que quoi qu'il arrive, si Moreno prévoit de rester, c'est ce qu'il veut faire, il sait qu'il va devoir se passer des services de Slimani, qui est un très bon joueur, on l'a vu. C'est le cas mais qui, malheureusement, va partir. C'était le bon pendant de Ben Yedder. Mais on voit que Ben Yedder, il sait s'adapter à tout. C'est à tout le monde. C'est sa force quand même. C'est vraiment un attaquant très polyvalent. Et je comprends que Deschamps soit toujours attiré par le prendre en équipe de France, parce que c'est quand même un mec qui te permet de faire plein de choses. Un peu à l'instar de Martial, je trouve, parfois, et je trouve qu'ils ont des points communs. Monaco-Strasbourg, oui, forcément, Monaco va mieux. Strasbourg, c'est pas toujours ça à l'extérieur. Ils sont pas mauvais contre les petits. J'ai regardé contre les petits, ils savent faire des scores, ils savent faire des résultats, mais contre les gros, c'est pas toujours ça. Ils cherchent encore un numéro 9, un vrai, parce que Motiba est moins bon qu'avant, et Ajorque n'est pas plus un milieu de terrain, en fait, offensif, qu'un numéro 9. Donc oui, Monaco, je pense que c'est un bon pronostic. Bon pronostic, Victor, donc, de Monaco. Match numéro 2, direction Le Forez et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui reçoit Nîmes. La dernière défaite des Verts face à Nîmes remonte au 9 janvier 2005. Et oui, la SSE n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de l'emporter. Mais je vois quand même, pour ma part, un match nul. Parce que Saint-Etienne, c'est 3 défaites lors de ses 5 derniers matchs. Et je pense que les Crocos ni moi, même s'ils ne sont pas très bons, pas très mordants, peuvent accrocher le point du match nul. Snorri. Ah, je les ai vus se prendre une raclée contre Dijon, là. Pff, encore, tu vois vraiment, même Dijon, là, on passe 5, ça fait beaucoup. Il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, un gars du Serail en plus, qui, à mon avis, il y aura peut-être l'effet, comme tu dis, nouveau coach, mais de l'autre côté, les soufflantes de Puel, c'est quelque chose. Alors, je vais quand même... Polo Dizak en sait quelque chose. Voilà. je pense. Alors après, Puel, là, il a fait une sortie médiatique en disant quand il est arrivé, rien n'était fait, personne n'était prêt. C'est peut-être un peu beaucoup. Pas non plus, le chantier, il y a quand même de la matière à Saint-Etienne. Niveau Ligue 1, il y a quand même des joueurs. Il n'est pas non plus arrivé justement dans l'équipe effective de Nîmes. Donc, il n'était pas forcément là pour être le bon pied. La place au classement, je crois qu'ils sont 14 ou 15e, mais pas très flatteur. Je pense qu'ils peuvent faire mieux, je pense qu'ils méritent mieux, donc je vais mettre Saint-Etienne à domicile. Couverture partielle 1N. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de joueurs blessés de l'infirmerie qui ont énormément manqué à cette équipe de Saint-Etienne. Il a essayé de mettre en place une concurrence avec les joueurs restants. Les cadres ont très mal apprécié ce turnover, d'où le problème avec Kolozézat. Nîmes a acheté Moussa Koné, bon, c'est un joueur de D2 qui joue à Dresde. Il a marqué 8 buts en 17, bon, c'est pas Mbappé, on est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'avec ce nouvel élan, ce nouvel entraîneur, ils vont essayer d'être un peu plus défensif, se mettre sur une base défensive pour pouvoir exister à Saint-Etienne, une équipe qui a énormément de carences offensives également, donc 1N. Très bien. On va descendre un petit peu plus dans le sud et retrouver un peu plus de soleil. Nous allons prendre la direction de Montpellier pour le match numéro 3. Match qui va opposer le 6e au 16e. Deux équipes qui s'affrontent pour la 21e fois de leur histoire. Et oui, Montpellier à l'abordage, le synthé qui vous fait rire, mon cher Nathan. Le bilan, c'est 6 victoires de Montpellier, 10 matchs nuls et 4 victoires pour Dijon. Mais Dijon n'a gagné qu'une seule fois à Montpellier en 10 déplacements. Avantage quand même aux Héroltais pour moi, Nathan. C'est le cas de le dire. C'est une place forte, le stade de Montpellier. Une équipe solide que j'aime beaucoup, très équilibrée, pas énormément de panache, un bon duo d'attaquants, travailleurs. Il y a un troisième larron qui est arrivé, mais qui jouera plus les accessites. Autant vous dire que Montpellier doit s'imposer face à une équipe où vraiment Dijon, sans jeu de mots, la mayonnaise a vraiment mal tourné ces derniers temps. Donc je ne les vois pas faire un bon résultat à Montpellier.
Ouais, et puis tu parlais, tu louais l'effectif. Même je trouve les dirigeants, c'est sain. Ouais. Je trouve que Laurent Nicolin, Der Zakarian, ça fait pas trop d'annonces un peu farfelues. Il tient bien le groupe. Des gars comme Mollet font une bonne saison. Ça y est, Savani a mis un peu de temps, mais ça y est, il redevient le joueur qu'il était à Nîmes avec son pied si précis. Donc la victoire de Montpellier face à une équipe de Dijon qui devra gagner des points, mais contre une autre équipe que le 6e du championnat. Merci messieurs, direction l'Est maintenant pour ce match entre Reims et Metz. On peut pratiquement dire que c'est un derby d'ailleurs entre ces deux formations. C'est le match numéro 4, il y a eu 65 confrontations entre ces deux formations. Nous en serons donc à la 66e entre ces deux équipes. On est à l'équilibre quasi parfait avec 25 victoires pour Reims, 20 matchs nuls et 20 victoires de Metz. Moi je m'arrêterai bien au milieu. J'opterai pour le match nul. Je t'ai suivi, j'ai mis nul, mais j'ai aussi mis la victoire de Reims à domicile parce qu'ils font une bonne saison. Et je pense qu'il y a deux mois de ça, j'aurais carrément mis le 1 sec. Mais Metz essaye de trouver... Un supplément d'âme. Voilà. Et Saint-Symphorien, c'est un super stade, l'ambiance est bonne. Donc je pense que... Et puis c'est un derby, comme tu l'as dit. Donc il y a quelque chose à montrer. Il y a beaucoup de Rémois qui habitent à Metz et vice-versa. Donc le 1 et le N pour moi. Également, un N, parce que l'équipe de Reims est solide. Bon, je pense qu'ils espéraient beaucoup mieux face au Paris Saint-Germain, donc il y aura quand même quelques traces psychologiques, parce que 3-0, c'est net et sans bavure. Les Messins sont en mode survie, ils ont battu, ils ont remporté le derby de l'Est, ouais, face à Strasbourg. Donc ça leur donne un supplément d'âme, et ils vont aller sans complexe défier les Rémois. Ouais, ils vont aller donc sans complexe défier les Rémois. Juste, j'ai entendu quelque chose hier qui m'a beaucoup fait rire. On dit, oui, que... Reims est la meilleure défense d'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abdelhamid serait meilleur que Van Dijk? Abdelhamid, je trouve que c'est un super... Ça reste un super défenseur. Ouais, mais, bon, mais il faut qu'il joue à un niveau au-dessus pour qu'on sache qu'est-ce que ça vaut vraiment. Alors oui, t'es la meilleure défense d'Europe, mais t'es en Ligue 1, qui est le championnat le moins prolifique des 5 plus gros championnats. Quand même. Le meilleur buteur d'Europe, je crois qu'il est en Roumanie ou en Estonie. Je crois qu'il est déjà à 40 banettes, c'est sûr. Ça se tient pas, enfin, c'est un... Pour les positions en face. J'ai bien aimé Abdelhamid. En fait, le truc, il est que pour moi, enfin, ça c'est vraiment personnel, hein, on sort de la grille, mais pour moi, il y a vraiment deux championnats au-dessus. C'est l'Espagne et l'Angleterre. Deux autres, un chouïa en dessous, comme l'Allemagne et l'Italie. Mmh. Et après, il y a nous. Je vais être honnête. Et après, il y a peut-être le Portugal et les Russes. Franchement, en tout cas, en termes de qualité de jeu, je mettrais le Portugal avant la France. Non, mais sincèrement, je ne le cache pas. Ça craint quand tu dis exemple, ça. Exemple, messieurs, avec le match numéro 5, je vous propose un certain Brest-Amiens. Ouais. Ça va certainement jouer au ballon. Hein. C'est le match numéro 5, messieurs. Brest qui n'a plus battu Amiens à domicile depuis le 25 avril 2008. Amiens a déjà gagné 10 des 16 confrontations contre 4 matchs nuls et 2 victoires seulement pour les Brestois. Je vais faire confiance quand même, moi, à l'équipe qui reçoit, mais je mettrai également un petit match nul. Donc pour moi, victoire de Brest à domicile ou encore le match nul. Nathan. Moi, j'ai mis victoire de Brest et victoire d'Amiens. Parce qu'Amiens a la capacité de faire des coups parfois. C'est vrai que les Brestois sont bons chez eux, mais cette équipe d'Amiens est assez incertaine. Elle peut être brillante à l'extérieur, aussi s'effondrer à l'extérieur, mais il y a quelque chose de l'ordre de la survie qui l'anime. Et donc à partir de là, je les vois bien damer le pion au Brestois. 1 et 2, pour ma part. Je les ai vus jouer, je crois, 4 fois intégralement Brest cette année, et à chaque fois, j'étais épaté. Pas épaté, mais j'étais agréablement surpris du courage... de l'abnégation et puis une sorte de petite envie que tu as quand tu pars à Brest. Tu as déjà fait 2 heures de train depuis Paris et tu as encore 3 heures de route derrière pour aller à Brest. C'est vraiment l'endroit, c'est vraiment un lieu à part. La pointe du Finistère. C'est vraiment, tu es au bout du monde. Et les voyages au bout du monde, tu sens bien que le match à Brest, c'est là où toute la ville vient. Donc c'est un peu le traquenard. Et je pense que le traquenard va encore fonctionner cette fois-ci. Match numéro 6, les amis, direction l'Espagne. Je vous propose un petit match sympathique entre le FC Séville et Grenade. C'est le 4e qui reçoit le 10e. Seulement 6 victoires pour Grenade en 31 confrontations entre ces deux formations. Séville a mis fin le 21 avril 2017 à une série de 4 matchs sans victoire quand même face aux joueurs de Grenade. Pour le coup, je propose quand même la victoire de Séville à domicile. Ça devrait le faire, Nathan. Moi aussi. Ils sont passés pas très loin face au Real Madrid. C'est un match qui tenait à cœur à Lopetegui, qui avait été
virer sans ménagement par le Real Madrid. Il n'a pas été très intelligent. Mais il n'a pas été très intelligent non plus, parce qu'il est en sélection. Ouais, il a fait n'importe quoi. Il y a toujours des problèmes en sélection espagnole ces derniers temps, c'est pas un problème. Cette équipe de Grenade a été très solide face au Barça. Si elle fait le même match, elle peut essayer de gêner Séville, mais Séville a déjà suffisamment perdu de points comme ça, et je pense qu'ils vont s'imposer chez eux. Ça reste une bonne saison quand même pour Grenade, qui a quand même deux pensionnaires qu'on connaît, Gonalon. Et Foulquier. Et Foulquier qui est revenu, le Guadeloupéen, qui est un très bon joueur aussi, qui finalement, l'Angleterre, ça lui a pas plu, donc il est revenu sur ses terres, et je pense qu'il est mieux pour... Il est taillé Liga maintenant, ça fait trop longtemps qu'il y est. Grenade, c'est une bonne saison, Séville, c'est au-dessus, donc j'ai mis la victoire de Séville, mais... Si j'avais eu un double de plus, j'aurais peut-être fait laisser traîner un petit N. Voilà. Match numéro 7, direction l'Italie, les amis. Pourquoi ? Puisqu'il y a un certain Torino Atalanta de Bergame qui nous y attend. C'est un match intéressant puisque le Torino est invaincu depuis le 26 septembre 2018 face à l'Atalanta et surfe sur une vague de 3 matchs sans défaite donc, et surtout 2 victoires consécutives. Victoire du Toro ? Bah ouais, pour moi. Mais en même temps, allez... Bon, c'est partagé, puisqu'il y a aussi l'Atalanta de Bergame en face, même s'ils se sont fait avoir la dernière fois par Sassuolo, je crois. C'est ça. Mais je leur accorde quand même la faveur de mon pronostic, donc victoire de part et d'autre pour moi. Snorri. Écoute, vu que l'attaque du Torino est en panne, peut-être qu'ils me donneront tort et ils vont bazarder mon pronostic ce week-end, mais Zaza et Belotti, ça ne marque plus, ou beaucoup moins, notamment pour Belotti. De l'autre côté, l'Atalanta, c'est l'équipe hype, c'est l'équipe sexy, c'est l'équipe que tout le monde suit en Italie, parce que c'est un peu comme Cagliari, mais à plus haut niveau, tu t'y attendais pas, ils sont toujours là. En plus, les joueurs re-signent, continuent à signer, j'ai vu, ça ne change pas, ils ont quelques joueurs très intéressants en défense, au milieu de terrain notamment, puis en pointe. J'ai mis donc le N et le 2, parce que je pense que l'Atalanta peut le faire. Je pense qu'ils n'ont pas eu des points, peut-être contre des petits-petits, c'est peut-être là où ils vont peut-être commencer un peu à se gargariser, être un peu... la jouer facile. Mais le Torino, ça reste un grand nom du championnat d'Italie. Je pense que l'Atalanta est repartie pour faire quelque chose. L'Atalanta peut le faire, Nathan. Oui, je pense que c'est un match qui sera extrêmement difficile. Le Torino est une bonne équipe, même si son attaque est en panne. Je vois N2, parce que je crois au potentiel de l'Atalanta, surtout à l'extérieur. Ils ont fait de très bons coups récemment. Mais le Torino est solide chez lui. Donc voilà, N, ou je vais prendre un risque avec l'Atalanta, N2. N2 pour Nathan. On reste en Italie avec le match suivant. C'est déjà le match numéro 8, messieurs, entre Naples et la Juventus. Il y a quelques années, c'était une grosse affiche du calcio. c'est un match en bois, puisque le Napoli est à la dérive. 11e. Avec votre Gattuso, là. Vous m'avez vendu. Justement. Il y a quelqu'un ici qui me l'a vendu. C'est pas moi. En mettant, voilà, le truc absolu, la référence absolue. Qui défend Gattuso. Il n'est pas là, le Bruno Michovin. C'est à lui que je parle. Gattuso, vraiment, franchement. Ben voilà. Il nous avait eu un supporter, un tifoso au téléphone, je me rappelle, durant l'émission. Un supporter qui lui a dit que c'est la meilleure chose qui puisse arriver au Napoli. Ben tiens, ils sont 11e, les Napolitains. La Juve, c'est 3 victoires consécutives et 53 victoires quand même. Il faut le rappeler, sur les 109 confrontations entre ces deux équipes, elles se sont déjà beaucoup affronté, vous l'avez compris. En plus, la dernière victoire de Naples à domicile remonte au 26 septembre 2015 face à cette équipe de la Juve. Alors, moi, je vais jouer l'orgueil et la logique. L'orgueil, je me dis qu'il y aura une réaction des Napolitains, mais la logique voudrait que la vieille dame l'emporte Naples. Je pense que la vieille dame va l'emporter. Alors, De Laurentiis, il a réussi un coup de génie. Il avait un superbe navire. Il a percé le fond et s'est mis à écoper avec Gattuso qui perce un deuxième trou au fond du bateau. Donc à partir de là, il y a un gros problème. Parce que là, franchement, Gattuso, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pas à ce niveau-là. Quand on joue la Ligue des Champions, on ne doit pas mettre Gattuso. C'est un aboyeur, c'est un motivateur, si on veut. Il peut faire comme Basile Boli à Marseille. Mais en aucun cas, on ne lui donnait les rênes d'une équipe première. Équipe comme ça. Et la Juve va vouloir creuser les corps avec l'Inter. 4 points, ils vont vouloir aller à 7 points. Ils ne vont pas vouloir perdre ce genre de match. Alors, avant-hier, il y avait 2 grosses affiches en quart de finale de Coupe d'Italie. Il y avait Naples-Lazio. Naples a gagné 1-0 avec un but de Mertens très tôt. Ou Insigne, je crois. Ils sont tous deux petits, donc à chaque fois, je me trompe. Après, ça a été du Gattuso style. Hein. Ça bétonne, ça bétonne, ça bétonne, ça fait des poteaux. Ça s'en sort, ça se qualifie, bravo. Petite victoire de Naples pour la confiance. Mais pour battre la Juve, il faut plus que de la confiance. Et là, en ce moment, surtout cette Juve-là, là, qui a broyé la Roma, mais ils nous ont rattrapés, ils nous ont coincés, ils nous ont jetés. C'était fini.
Non, cette Juve est très forte, Ronaldo est très bon, Higuain donne des ballons à Ronaldo, Ronaldo donne des ballons à Higuain, qui l'eût cru ? L'eût-tu cru ? Donc non, la Juve est peut-être le match nul quand même, parce que, comme tu disais, l'orgueil peut peut-être donner quelque chose de ne pas vouloir se faire battre. Sait-on jamais, c'est vrai. Match numéro 9, toujours en Italie. On va y rester encore un match donc, du côté transalpin. Match qui va opposer l'Inter à Cagliari. Sur les 89 confrontations, il faut savoir que l'Inter en a gagné 44, et oui, Cagliari 16, et il y a eu 29 matchs nuls. Cagliari n'a plus gagné à Milan depuis le 16 octobre 2016. Les interistes qui restent sur un carton 4 buts à 1, donc en Coupe d'Italie face à leur hôte du jour, il n'y a pas très longtemps, là, oui, dans la semaine, ouais. Début de semaine, c'était donc le 14 janvier exactement. Et puis, pour couronner le tout, Cagliari c'est un nul et 4 défaites au cours de ces 5 dernières sorties. Pour toutes ces raisons-là, bon, je fais confiance à l'Inter. L'hiver fait mal à Cagliari. Cagliari, c'était une équipe qui surprenait tout le monde durant la fin de l'été, le début de l'automne en Italie. Ils étaient 4e, puis à un moment 3e. Puis ils ont commencé à dégringoler. Je pense que 6e, 8e, c'est un peu plus une place conforme en termes du standing du club et des joueurs. Le risque, c'est qu'ils risquent d'être dépouillés cet été parce qu'il y a quand même quelques bons petits joueurs intéressants. L'Inter veut continuer à faire son mano à mano avec la Juve, c'est clair. Conte, c'est son objectif. Je pense que l'Inter de Milan va gagner. L'Inter gagnera. J'aime beaucoup N'Golan. Hein. Je pense que c'est un joueur qui a pu faire du bien à Cador du football français en tant que sentinelle, sincèrement, parce qu'il a de l'abattage, de la technique. Il était énorme à la Roma. En Belgique, contre la France, où vous avez remporté 4 buts à 2, un match amical. Mais l'Inter ne peut pas se permettre de se laisser distancer par la Juventus de Turin. Et ils ont l'arme absolue, enfin une doublette absolue. Lukaku, qui débloque des situations par sa puissance, et aussi le petit Argentin. Lautaro Martinez, le chouchou de Messi, qui veut le rapatrier à Barcelone. Je pense que l'Inter s'imposera. L'Inter s'imposera. Match numéro 10, match encore italien, les amis, l'AS Roma qui reçoit la Lazio de Rome. C'est le derby de la ville éternelle, et j'adore le synthé. Romulus et Rémus. Je les salue d'ailleurs, ce sont deux amis. Les amis, bah oui. Et la Louve aussi, non ? C'est très mal fini quand même. Romulus et Rémus, c'est très très mal fini. C'est une histoire qui est très mal terminée, c'est vrai. Mais j'ai deux amis qui s'appellent Romulus et Rémus. Ils se mettent sur la tronche de temps en temps, ça leur arrive ? Pas du tout. Ils s'entendent comme des larrons en foi. Ouais, ils sont frères. Ok. C'est le 105e derby, et oui, de la ville éternelle. Donc, Il ira où ce derby ? Est-ce qu'il ira du côté de la Roma qui en a remporté 34 ? Est-ce qu'il ira du côté de la Lazio qui en a gagné 27 ? Est-ce que les deux équipes vont se séparer sur un match nul comme ce fut le cas 43 fois ? Il y a eu quand même beaucoup de matchs entre ces deux formations. En tout cas, il faut savoir que la Lazio est invaincue depuis 2 matchs face à son rival historique. Et qu'en championnat, la dynamique est en faveur des dialogues aussi, et oui, de ton équipe à toi, la AS Roma, qui reste sur 2 victoires de rang, à l'inverse de la Lazio, des Laziali qui ont été défaits lors de leur dernière sortie. Alors moi, pour toutes ces raisons-là, pas de risque, ouais. Je propose une couverture complète. Elle n'est pas partielle, elle est vraiment complète. Le 1, le N et le 2 pour moi, Nathan. Alors moi, je vais faire l'inverse, hein. Fais une couverture totale. On ne va pas prendre de risque. Ouais, Romulus versus Rémus, bon, il y a trop de paramètres, un arbitre. Les équipes seront survoltées, les supporters n'ont pas envie de perdre ce match-là, les joueurs n'ont pas envie d'être l'équipe perdante. Donc, je joue 1-N2. Et c'est la Roma qui reçoit. T'as toutes les VIP de Rome qui sera là, les anciennes gloires. C'est un match qui est hors du temps, qui est suivi. T'as 4 radios pour la Lazio à Rome. T'en as 8 qui parlent de la Roma en permanence. C'est l'effervescence totale. C'est toujours comme ça. Et ça accouche souvent, comme tu dis, d'un match vraiment nul, mais nul à tous les niveaux, avec des cartons, des tacles à la gorge. C'est horrible. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des polémiques. C'est rare qu'on ait des grands matchs, parce que les gros acteurs, en fait, de ces matchs-là, les derniers gros acteurs, à la Roma, par exemple, c'était Dzeko qui a souvent réussi dans ces derbys-là, mais historiquement, c'était les matchs. T'avais les Gascoigne, les Totti, les Di Canio, t'avais des très très grands noms. Et malgré tout, il y a moins de grands noms maintenant dans ces deux équipes-là, donc j'ai mis la couverture comme vous, les gars. Allez, on va partir en Espagne. On repartir en Espagne après Séville. On va à Valladolid qui reçoit
l'ogre madrilène, le Real de Madrid, et oui, qui va affronter Valladolid. Il y a eu 70 rencontres donc entre ces deux formations. Valladolid n'a gagné que 8 fois face au Real de Madrid, et la dernière fois, c'était le 15 novembre 2008. Pas de souci pour les hommes de Zizou, selon moi, ils vont l'emporter, Snow. Bah, moi, j'aime bien les petites puces de Valladolid. Le président, en plus, c'est Ronaldo Nazario de Lima. Le vrai, pas Cristiano, celui qui s'appelle Ronaldo tel quel. Ouais, et c'est vrai que j'aime bien cette équipe. Ils sont combatifs, après, ils jouent un football un peu foufou, mais bah, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Ça va être difficile, j'ai mis quand même la victoire du Real, parce qu'ils ont besoin de rester en haut du classement. Mais j'aimerais bien que Valladolid leur pose quelques problèmes. J'ai mis le 2, mais si je pouvais traîner, j'aurais mis un N. Ouais. Bon, je pense que stratégiquement, c'est à ce moment-là que le Real peut remporter la Liga, avec le changement de Setién à Barcelone, le temps d'adaptation. Ça met du temps, ça rame un peu. Donc, ils ne vont pas laisser passer l'occasion. Ils ont fait signer Reiner, une nouvelle pépite brésilienne. Ils ont déjà deux autres pépites avec Rodrigo et Vinicius, sans compter Odegaard, qui est une autre pépite norvégienne. Ils préparent l'avenir. Donc, pour ce qui est de la Liga, le Real va s'imposer à Valladolid. Pour ce qui est de la Liga, victoire donc du Real Madrid. On va revenir en France pour les trois dernières rencontres de la grille. Déjà, le match numéro 12 nous propose un certain Atlético. Oui, c'est l'Atlético entre Nantes et Bordeaux. C'est le 113e derby entre ces deux formations. Les Girondins qui mènent 45 victoires à 38 contre 29 matchs nuls. Et après trois matchs sans victoire à domicile, Nantes qui a repris la main la saison dernière face à son hôte du jour. Moi, je préconise... Pronostic ouvert. Match ouvert, pronostic ouvert, victoire de part et d'autre. Nathan. Je donne une victoire à Nantes parce que vraiment cette équipe bordelaise est vraiment spectrale. Je ne comprends pas son projet. Je ne comprends pas sa cause. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure en plus. Je ne comprends pas où ils veulent en venir. J'ai beaucoup cru à l'arrivée de l'entraîneur Souza. Je me suis dit qu'il va révolutionner les choses, qu'il va apporter un peu plus de rigueur portugaise à ce jeu. Pas du tout. Ils peuvent se faire éliminer à Pau. Semaine d'avant, ils se font battre dans un match. Particulier. Là, Nantes a quand même une cohérence. Alors, on peut dire ce qu'on veut de Valdemir Kita. Il sait choisir ses entraîneurs. Il ne dure pas longtemps, mais il sait les choisir. Et il est dans cette dynamique-là, et je pense que Nantes va se poser face à Bordeaux. Moi, je pense qu'en plus, l'idée qu'il ait déjà prolongé Gourcuff si rapidement et qu'il ait donné les clés fait que peut-être, il y a Gourcuff a mis une sorte de sérénité, de calme. Il ne vient pas toquer à la porte du Brédor, j'ai besoin de rallonge de fric. Non, Gourcuff n'a pas besoin vraiment de fric. Il a besoin juste qu'on le laisse bosser parce qu'il a des idées. C'est un peu pas notre Bielsa à nous, tu vois ce que je veux dire, mais c'est on l'appelle le druide. C'est pas hasard, c'est qu'il est capable de faire une potion magique avec trois bouts de papier, deux bouts de bois. Et voilà, il a ce côté-là. Il a amené de la sérénité à un club qu'on avait besoin, je pense, avant d'espérer aller trop haut. Je pense qu'avant tout, déjà, il faut que Nantes puisse se stabiliser. Rester dans les premières parties de tableau saison après saison, il l'avait bien fait sous le compte Cessao. Et après, bon, les choix ont un peu moins suivi. Donc, je vais mettre la victoire de Nantes, la stabilité et peut-être le match nul parce que Bordeaux, quand même, aligne quand même un 11 de départ qui a un peu de la gueule. Tu ne peux pas rester comme ça et refuser de jouer un derby, c'est important. Donc, j'ai mis le 1 et le N. Ok, c'est partagé, vous l'avez compris, donc sur ce plateau. Match numéro 13, on reste en France avec Lyon qui accueille Toulouse. Il y a eu 82 rencontres donc dans l'histoire de ces deux clubs entre eux, donc toutes compétitions confondues, bien évidemment. Le bilan, c'est 37 victoires pour Lyon, 20 matchs nuls et 25 victoires de Toulouse. Mais ça, c'était avant pour Toulouse, puisque c'est un moment que Toulouse n'a pas gagné. À Lyon, d'ailleurs, je peux même vous le dire, Toulouse n'a plus gagné à Lyon depuis un certain 18 mai 1900. Qui c'est qui me donne ? Allez, on se passe. 96, allez. Avant. Wow. 68. Non. Un peu avant. 65. Non. 66. Ah, 66. Oh là là. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, pas de souci pour les Lyonnais, en plus, qu'ils redeviennent un petit peu indomptables. J'aime bien, avec Carl Toko et Kambi. Le Camerounais qui arrive, eh ben oui, c'est un Lyon indomptable qui est en train d'arriver. Donc, je vois bien Lyon gagner sans problème face à cette équipe de notre ami Zanko. Ah ouais, alors, vous vous rappelez au mois de... Zanko, il la ramène pas beaucoup, là, voilà. En ce moment. Au mois d'octobre, après avoir vu les matchs du début de saison de Toulouse au PSG, j'avais trouvé combattif, j'avais perdu, mais il y avait un truc. Et plus ça va, plus je me dis, mais j'ai dit un navet quand j'ai parlé qu'ils vont se sauver et tout. Enfin... Je pensais. Je pense que Duprat va arriver dans toi. Maintenant, il est à Caen. Et... Ouais, il va venir. Il n'y a que lui qui peut les sauver. Il n'y a que lui qui peut les sauver, Pascal, le héros. Je ne sais pas, là, ça me paraît plus compliqué qu'avant encore. C'est une mission encore plus suicide que la précédente.
Je ne suis pas sûr que le facteur chance va rentrer. En tout cas, le facteur chance, il n'y en aura pas à Lyon. Non, mais si Toulouse descend, c'est fini. Hein. Je dis, après, ils ne remonteront plus jamais. On va jouer. Hmm, ils ne remonteront plus. Non, mais il faut qu'ils remontent. Il faut qu'ils trouvent un investisseur qui comprenne le foot. Pas un mec qui soit là pour essayer de faire des bascules. Quoi. Je pense que ce n'est pas un club qui a besoin de ça. C'est là où il y a un truc qui n'est pas très clair. Ouais, quand on critique les Qataris ou tout ce que vous voulez, ben, alors peut-être qu'ils n'y connaissent rien au foot, mais ils montrent qu'ils aiment le foot. Ils investissent dans le marketing, ils investissent dans de bons joueurs. Ouais, ils savent s'entourer. Le problème de Sadran, c'est de garder l'historique de Bev, Bancarel et tout. À un moment, il faut que tu changes, mon gars. Cannes a fait la même erreur avec Priou et Durix. Bah, bien sûr. Boum, tombé. Le problème de Sadran, c'est qu'il préfère l'équitation au football en ce moment. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il trouve que les chevaux sont plus rentables que les footballeurs. Mais il parle que de rentabilité, c'est ça, les gars. Ah oui, mais le problème, c'est que Sadran est annoncé comme le nouvel Olas. Bon, hélas. C'est une nouvelle hélas, en fait. Pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que Lyon, on va avoir une confrontation entre une équipe qui vise l'Europe, qui vise la Ligue des Champions, et une équipe qui est déjà en D2. Donc à partir de là, mon pronostic va pour les Lyonnais. Va pour les Lyonnais. Pourtant, t'es en violet. Oui, mais c'est je porte la tunique de Toulouse. Voici le dernier match de cette grille numéro 12, les amis. C'est le match numéro 14 qui va opposer Lille au Paris Saint-Germain. Le cinquième qui va affronter le premier, ce sont les deux meilleures équipes de l'année dernière, de la saison dernière, qui s'affrontent également demain. Le PSG qui reste sur un 5-1 encaissé l'année dernière, ce sera la 91e confrontation entre les deux équipes. Et oui, toutes compétitions confondues, bien évidemment. Je vous ai donné le bilan tout à l'heure. 36 victoires pour Paris, 30 pour Lille et 24 matchs nuls. Mais encore une fois, l'humiliation de la saison dernière, je pense que le PSG va vouloir redresser la barre. Et lui qui restait quand même sur 7 matchs sans défaite dans le Nord et surtout 4 victoires consécutives. Moi, je vois la victoire de Paris, mais en même temps, je me dis que Lille peut prendre le point du match nul. Je partage ton point de vue. C'est exactement comme ça que j'ai amené le prono de mettre la victoire du PSG à l'extérieur ou le match nul. Parce que Lille est moins fort que l'an dernier et le PSG est plus fort que la saison dernière. Mais malgré tout, à domicile, Lille, ça reste compliqué à jouer. On l'a vu, ils ont un très très bon rêve. C'est quasiment une des trois ou des deux meilleures équipes du championnat à domicile. Donc ils peuvent poser des problèmes un petit moment au PSG. Nathan ? N2 également, parce que Christophe Galtier a dit cette semaine que son équipe avait un problème de routine en championnat. Je pense qu'un match contre le Paris Saint-Germain n'est jamais un match routinier. Ikoné va vouloir se faire voir par Deschamps, parce que c'est un des matchs où on peut... Voilà, il peut niveler son talent. Osimhen aura des observateurs en tribune. Et les Parisiens sont tous motivés, parce qu'ils savent très bien que lors des matchs qui précèdent Dortmund, c'est là que va se jouer le temps de jeu pour les titulaires, mais aussi pour les remplaçants. Donc tout le monde va devoir être investi pour espérer jouer ne serait-ce qu'une poignée de minutes face à Dortmund. Donc à partir de là, il y a quand même une logique à respecter. Je pense que Lille va mettre énormément d'allant, mais que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Au mieux, Lille peut espérer un match nul. Au mieux, Lille peut espérer un match nul. Bon, en fait, on est un peu d'accord sur le prono, sur ce Lille-Paris Saint-Germain. Messieurs, dames, voici venue l'heure de la grille que nous vous proposons pour ce soir. C'est la grille numéro 12. Elle est à valider avant samedi prochain, samedi 25 janvier 2020, pardon, à 14h55 précisément. Grille numéro 12, c'est parti pour les pronos. Allez, on y va. Monaco-Strasbourg, le 1. Saint-Étienne-Nîmes, le 1 et le N. Montpellier-Dijon, le 1. Reims-Metz, le 1 et le N. Brest-Amiens, le 1. Séville-Grenade, le 1. Torino-Atalanta de Bergame, le 1 et le 2. Naples-Juventus, le N et le 2. Inter-Milan-Cagliari, le 1. AS-Roma, Lazio de Roma, l'unanimité, le 1, le N et le 2. Valladolid-Real Madrid, le 1. Nantes Bordeaux, le 1, Lyon-Toulouse, le 1, et enfin Lille-Paris-Saint-Germain, on vous propose tout simplement le 2. C'est l'ordinateur qui a fait son travail, donc on espère qu'il a bien synthétisé tout ce qu'on a dit, et puis on vous souhaite un bon jeu, 96€, c'est une grille à 96€ que l'on vous propose. Elle va se multiplier par beaucoup, 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 puisqu'elle vaudra 500 000 minimum, si jamais, bien évidemment, vous avez les 14 bons pronostics. Mais pour cela, avant cela, je vais vous demander à Nathan son coup sûr. C'est Nathan. Mon coup sûr, mon coup sûr, j'en ai plusieurs, mais j'en ai donné un. La victoire de Nantes face à Bordeaux.
Ouh, un coup sur audacieux quand même. Ah là, il y a de l'audace. Je pensais que je sais pas, mais Lyon-Toulouse, tu vois. Les spectateurs veulent de l'audace. Ah, ils veulent de l'audace et c'est ce que nous nous offrons ce soir. Merci Nathan. Merci à vous également, Snorri. N'oubliez pas, Nantes-Bordeaux, le coup sûr de Nathan, c'est la victoire de Nantes. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Excellente soirée. Restez bien évidemment confortablement installés. Ce qui suit n'est pas mal non plus. Vous allez voir.